Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Avec une paire de devises euro-dollar donc qui confirme le franchissement de la zone des 1.1252. Puisque après donc, le franchissement qui était intervenu la semaine dernière, eh bien, nous avons eu ici un rebond technique qui a permis de valider ici la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de résistance, ainsi que la zone ici des 1.1252 qui après avoir été support ici, eh bien, est confirmée elle aussi comme zone de résistance. Qui plus est, juste après ce contact, nous avons un nouveau point bas significatif. Donc la dynamique sur la paire de devises euro-dollar est bien confirmée à la baisse, avec donc un objectif de retour ici sur la zone des 1.1140, avec un objectif intermédiaire possible ici sur cette zone des 1.1180. Sur l'or, nous avons une configuration qui confirme là aussi la dynamique baissière, puisqu'après franchissement, la zone s'y repositionnée à 1298.50 a là aussi été validée comme zone de résistance, et nous sommes revenus ici sur une zone de point bas qui avait été touché lors de cette fin de semaine dernière. Donc l'or ici continue à évoluer d'une manière baissière. D'un point de vue court terme, et puis ici on peut s'attendre à un retour sur une zone intermédiaire ici des 1282.80 $ l'once, et tant que les 1298.50 ne sont pas refranchis à la baisse, et bien nous pouvons viser un objectif moyen terme à 1264 $ l'once. Par contre, sur le WTI, c'est bien la hausse qui est confirmée. Après ici un double contact sur la zone des 58.20 $ le baril, eh bien le WTI s'est adjugé un dépassement ici de la zone de résistance intermédiaire des 60.30 $ le baril pour marquer de nouveaux plus hauts significatifs. Donc comme depuis ici le franchissement des 57.80 qui avait été validé ici comme support, eh bien le pétrole, donc WTI, reste avec un objectif haussier qui se situe à 62.66 $ le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin, eh bien il semblerait que l'on confirme le nouveau tracé ici que je vous exposais vendredi, avec donc de nouveaux points hauts significatifs marqués aujourd'hui sur la dynamique court terme qui fait suite à la tendance que nous avions ici depuis le début du mois de mars. Donc nous sommes sur divers objectifs, un objectif très court terme ici qui se situe sur ce point haut significatif à 4170 $, et un objectif un peu plus moyen terme de retour possible ici sur la zone des 4340 $. Ces objectifs sont valables tant que le support oblique, hein, qui est désormais défini par 3 points significatifs, eh bien, ne sera pas cassé à la baisse. Donc on reste haussier d'un point de vue court terme sur la monnaie virtuelle. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.